Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue autrefois dans notre chaîne Kalizi Information. Tout d'abord, je vous invite, comme d'habitude, tous à s'abonner dans notre chaîne et d'activer l'alarme pour que vous puissiez voir les vidéos à temps. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre formation dans sa deuxième partie, donc la formation intitulée Maîtrise statistique des procédés, MSP, SPC en anglais. Il sera animé par Monsieur Mohamed Zine. C'est un ingénieur industriel senior avec 8 ans d'expérience dans le domaine industriel. Il est notamment un chef département qualité, sécurité, environnement dans une société. C'est un auditeur qualifié pour l'ISO 9001 et l'ISO 14001 version 2015. C'est un formateur au niveau de l'industrie, tout ce qui est relatif à la qualité, production, logistique, gestion de stock, etc. Bienvenue autrefois et on continuera notre formation. Alors, avant de commencer la suite de notre formation MSP, je vais faire un petit rappel de ce qu'on a vu dans la première partie. Dans la première partie, nous avons vu tout ce qui est relatif à la variabilité des individus. Nous avons vu aussi l'existence des causes assignables et des causes communes. Nous avons vu aussi comment vérifier l'existence de ces causes assignables à l'aide de la droite d'Henry pour tester la normalité. Nous avons dit aussi si les valeurs ou bien si la population suit la loi normale, il n'y a que des causes communes. Dans le cas contraire, on doit éliminer déjà les causes assignables ou bien les causes accidentelles avant de réagir sur le système. Nous avons aussi vu la droite d'Henry ou bien l'outil graphique qui s'appelle la droite d'Henry pour vérifier est-ce que les valeurs ou bien la population suit la loi normale ou non. Dans le cas où il suit la loi normale, on passe à une autre étape qu'on va voir aujourd'hui. C'est l'étape de varier ou bien c'est l'étape de vérification de la capacité machine au procédé. C'est-à-dire on va voir à partir des indices est-ce que le système ou bien le procédé ou la machine il est capable ou il est apte à mettre en place la MSP ou non. Voilà, on commence à. Alors pour commencer, déjà c'est quoi la capacité? La capacité d'un procédé ou d'une machine, c'est l'aptitude de cette machine ou bien de ce procédé à nous donner, à nous fabriquer des produits conformes. Pour déterminer la capacité, nous avons besoin des coefficients de capacité. Ce sont des indicateurs fondamentaux de la maîtrise statistique des procédés. À partir de ces indicateurs, on peut avoir la preuve à l'aptitude de procéder à respecter les spécifications techniques ou bien les spécifications d'un produit quelconque. À l'aide de ces indices aussi, on peut évaluer l'efficacité des actions correctives envisagées ou bien des actions correctives mises en place pour un procédé, pour l'amélioration de procédé. En fait, il suffit de calculer ces indicateurs avant la mise en place de ces actions et après pour dire est-ce que ce sont des actions qui sont efficaces ou non. Pour déterminer toujours la capacité, nous avons besoin des instruments de mesure qui sont aussi capables et agréés. Et ils doivent être précis de telle sorte à avoir ou bien à mesurer le dixième de la tolérance prévue. Si par exemple on vise une tolérance, les instruments doivent ou bien peuvent doivent être mesurés le dixième de la tolérance prévue. Lorsqu'on parle de la capacité, on parle aussi de la stabilité d'un processus ou bien d'un procédé. La stabilité, automatiquement, ça veut dire c'est l'absence des causes assignables. Si le système est stable, automatiquement, il n'y a que des causes communes. Au niveau des indicateurs de capacité, on parle de deux indicateurs. Le premier indicateur, il s'appelle CM ou bien CP. CM dans le cas où on parle juste de d'une machine et CP dans le cas où on parle de procédé tout entier. Le premier indicateur, il met en évidence la dispersion. Et il y a un autre indicateur qui met la dispersion et le centrage des valeurs par rapport à la moyenne. Il s'appelle CMK dans le cas d'une machine et CPK dans le cas d'un procédé. Pour la capacité machine, on note CM, c'est l'indice de capacité machine. Il représente la mesure de la performance de la machine toute seule, indépendamment des autres facteurs. C'est-à-dire en calculant CM, à partir de la valeur trouvée, on
peut dire que la machine, il est apte ou bien il est capable à nous donner des valeurs ou bien des produits conformes aux exigences spécifiques données, bien sûr, dès le départ. La même chose dans le cas de procédé, c'est juste on ajoute les autres facteurs de production hors que la machine, c'est-à-dire on parle des ressources humaines, des autres ressources matérielles, des matières premières, etc. Donc voilà, dans ce qui suit, donc on note TS, donc la note la tolérance supérieure, donc c'est une valeur donnée à partir des spécifications techniques. On note aussi TI, c'est la tolérance inférieure, et on note dans ce qui suit les limites de contrôle supérieures et inférieures, donc ce sont LCS et LCI. Donc généralement à partir de ce schéma descriptif, donc on peut dire que les tolérances supérieures, ils sont différents des limites de contrôle supérieur. Donc, on va voir d'où vient cette différence et comment calculer les limites de contrôle inférieur et les limites de contrôle supérieur. Et dans ce schéma-là, donc, c'est un processus normal, c'est un processus stable dans ce cas-là. Donc, les limites de contrôle inférieur et les limites de contrôle supérieur existent entre, ou bien dans l'intervalle de tolérance. Donc, on peut dire que c'est un schéma descriptif d'un procédé qui est conforme. Donc le centrage aussi du processus par rapport à la moyenne de la tolérance doivent être vérifiés aussi, c'est-à-dire est-ce que les valeurs sont centralisées vers la moyenne ou ils sont très loin de la moyenne, etc. On va voir ça en détail. Donc la capacité CM et CP se définit comme le rapport entre la performance demandée, c'est-à-dire ce qu'on veut escompter ou bien ce que envisager, et la performance réelle. Donc on peut définir CM et CP comme le rapport entre. Alors donc comment on définit l'indicateur de la dispersion CP ou bien CM? Donc généralement c'est la ou bien c'est le rapport entre l'intervalle de tolérance et 6 sigma. Donc on avait donc avec 6 sigma ou bien sigma c'est l'écart type de la population, donc on peut le calculer à partir des valeurs ou bien à partir des échantillons. Et voilà, tolérance supérieure et la tolérance inférieure, ce sont des valeurs qui sont données à partir des spécifications techniques. Donc après le calcul de cet indicateur, donc qui est l'indicateur de dispersion, donc généralement on compare cet indicateur avec la valeur 1,33. Donc si CP est très inférieur ou bien est inférieur à 1, donc le système ou bien le procédé ou la machine dans le cas d'une machine est non capable. Donc automatiquement nous avons ou bien on aura des produits non conformes qui dépassent les limites de tolérance. Dans le cas où CP est égal à 1, c'est le schéma 2, donc il est juste capable, donc on doit travailler sur l'amélioration, etc. Parce qu'il y a toujours un risque d'avoir des produits non conformes qui passent ou bien qui dépassent les limites de tolérance. Dans le cas où il est égal à 1,33, donc il est acceptable. Et dans le cas où, par exemple, il est supérieur, est égal à 1,66, donc c'est très performant. Donc, dans ce qui suit, donc généralement, on compare la valeur trouvée du CP avec la valeur 1,33 pour dire est-ce qu'il est capable, est-ce que le procédé est capable à nous fabriquer des produits conformes ou bien est-ce qu'il y a le risque d'avoir des produits non conformes. Alors pour l'indice de capacité CPK, donc on a vu pour CPC, c'est un indice qui donne la dispersion. Pour l'autre indicateur, donc il reflète la dispersion pour le centrage. Donc l'indice de capacité CPK tient compte aussi des deux problèmes que présente l'indice CP. Il y a cependant deux formules pour calculer cet indicateur. Donc généralement il y a deux méthodes. Donc soit on le calcule par rapport à la tolérance supérieure. Donc on prend par exemple la première, le bien le premier schéma. Donc nous avons CPK, c'est la différence entre la moyenne et la tolérance supérieure et la moyenne divisée par 3 fois l'écart type. Donc dans le cas où il y a des produits non conformes qui dépassent la tolérance supérieure.
Dans le cas où il y a des tolérances ou bien des produits non conformes dont les valeurs dépassent la limite de contrôle inférieure ou bien la tolérance inférieure, dans ce cas-là, on utilise la deuxième formule. Donc CPK est égal à X0 moins la tolérance inférieure divisée par 3 sigma ou bien 3 fois l'écart type. Et généralement, donc, on prend le minimum de ces deux valeurs pour calculer le CPK. Alors, donc, après le calcul du CPK, donc, de la même façon, on compare les résultats avec 0,66 pour dire est-ce que le système ou bien le procédé il est capable, plus centré ou non. Donc, tant que, ou bien plus que le CPK est plus grand, plus que le système et le procédé il est toujours centré. Donc voilà, c'est pour ça on essaye de travailler sur des actions qui peuvent améliorer la valeur de CPK ou bien de l'indice de dispersion et de centrage. Alors pour la capacité machine, donc de la même façon que la capacité procédé, donc premièrement on doit avoir ou bien on doit avoir une caractéristique mesurable, donc qui est soumise dans le contrôle des mesures. On doit aussi vérifier est-ce que la population suit la loi normale pour vérifier l'existence des causes assignables ou non. On doit aussi comparer la possibilité ou bien les possibilités de la machine, est-ce qu'ils peuvent nous produire des produits dont la tolérance supérieure et inférieure. Donc, dans le cas où déjà on sait que la machine le produise ou bien il peut. Il y a le risque d'avoir des produits non conformes, donc qui dépassent les limites de contrôle. Dans ce cas-là, on commence déjà par notre réglage, etc. Donc, généralement, on note comme pour le cas de procédé, TS c'est la tolérance supérieure, TI c'est la tolérance inférieure. L'écart type instantané dans le cas d'une machine, ou bien il s'appelle sigma I. Et la capacité machine, donc on aura comme le cas de capacité de procédé. La formule donc CM ou bien capacité machine est égale à l'intervalle de tolérance divisé par 6 fois l'écart type. Donc comment calculer ou bien comment juger la capacité d'une machine, donc de la même façon, donc on compare le résultat avec la valeur 1,33. Donc on a trouvé la valeur 1,33 donc à partir d'une exigence donnée qui est la tolérance ou bien l'intervalle de tolérance il est toujours supérieur à 8 fois l'écart type. Donc à partir de cette exigence on peut avoir la capacité machine qui doit être inférieure ou égale à 1,33. Donc, dans ce cas-là, on parle d'une machine apte à nous produire des produits, donc, des produits conformes. Et dans le cas contraire où CM est inférieur à 1,33, donc la capacité ou bien la machine n'est pas capable à nous produire ou à nous fabriquer des produits conformes qui respectent les exigences techniques du produit. Donc, la capacité machine doit se calculer à partir de données relevées dans un laps de temps très court, incluant seulement la dispersion de la machine. C'est pour ça on met dans le cas de l'écart type, donc l'écart type instantané, parce que on fait le calcul dans un laps de temps qui est très très court, donc qui inclut seulement la dispersion de la machine. Donc pour l'écart type, donc juste avant de calculer ou bien d'utiliser la première formule, donc généralement pour calculer l'écart type instantané, donc c'est donné à partir de formule ou bien l'étendue, la moyenne des étendues divisée par D2. Donc les étendues, donc comme nous avons défini les étendues dans la première formation, donc l'étendue d'un prélèvement qui comporte ou bien qui se constitue de x échantillons ou bien d'un nombre d'échantillons, c'est la valeur max de l'échantillon ou bien de l'ensemble des échantillons moins la valeur mine qui donne voilà l'étendue. Ensuite, on calcule les étendues pour toutes les prélèvements. Et ensuite, D2, il est donné à partir de la taille des échantillons. Donc, dans le cas par exemple où on prend 5 échantillons dans chaque prélèvement, donc on a D2 est égal à 2,534. Dans le cas par exemple où on travaille avec 4 échantillons par prélèvement, on a D2 est égal à 2,059. Donc voilà, ce sont les valeurs données.
Pour le calcul ou bien le calcul de la capacité machine qui inclut le centrage et la dispersion. Donc de la même façon, c'est le minimum des deux valeurs. Donc comme nous avons vu dans le cas de procédé ou bien dans le cas de CPK. Donc aussi pour CMK, c'est le minimum de la valeur ou bien de tolérance supérieure moins la moyenne divisée par 3 fois l'écart type instantané et la valeur moyenne moins tolérance inférieure sur 3 fois l'écart type instantané. Et de la même façon, on compare CM. Donc, si l'indice de capacité de machine est très inférieur à 1 ou bien inférieur à 1, donc la machine n'est pas apte à nous produire des parties ou bien des produits, des pièces conformes. Donc, automatiquement, nous aurons ou bien il y a toujours un risque d'avoir des produits qui dépassent les limites de contrôle, les limites de tolérance, etc. Et dans le cas, par exemple, aussi M est supérieur strictement à 1, dans ce cas-là, on peut parler d'une machine apte et tolère une dérive d'autant plus grand que l'indice CM est plus élevé. Donc, dans ce cas-là, on est sûr que notre machine ne fabrique que des produits conformes à nos exigences spécifiques. Alors, pour la capacité de procéder, donc de la même façon, donc l'indice de capacité de procéder ne peut être calculé que lorsque le procédé est sous contrôle, donc c'est-à-dire qu'il ne reste comme cause de variabilité ou de dispersion que des causes aléatoires, c'est-à-dire on ne pourra jamais calculer la capacité de procéder. La même chose pour la machine, sauf s'il n'y a que des causes communes. La formule ou bien les formules de calcul de CP, donc toujours comme nous avons vu, c'est l'intervalle de tolérance divisé par 6 sigma. Dans le cas où la machine, on parle, ou bien dans le cas où d'une machine, on parle de sigma I, donc l'écart type instantané. Et pour le cas de CP ou bien ce procédé, on parle de sigma est égal à aussi l'étendue moyenne. Ou bien la moyenne des étendues divisée par D2, avec D2, ce sont des valeurs que nous avons vues, ce sont des valeurs données, ou bien on peut le calculer autrement avec la moyenne des S, ou bien des écarts types, des échantillons divisés par C4, et là, de la même façon, C4, elle est donnée dans un tableau donc qui est relative au nombre des échantillons, ou bien la taille des échantillons. Donc C4 données sont en tableau. Dans le cas par exemple de 5 échantillons, nous avons une valeur de C4 est égale à 0,94. Dans le cas d'une taille de 3 échantillons par prélèvement, nous avons une valeur de 0,88. Donc et voilà, donc à partir de ces formules-là, on peut calculer CP. Et la même chose pour la CPK, donc nous avons déjà vu CPK, on le compare les résultats avec 1,33, et voilà, donc pour vérifier est-ce que le procédé il est apte plus centré ou non, donc voilà, donc nous avons vu de tout ça, donc voilà. On parle aussi de la stabilité du processus. Donc, nous avons ici deux schémas qui se diffèrent donc, au niveau de la stabilité du procédé. Donc, si on voit donc, le schéma en dessous, donc voilà, donc il y a un processus instable. Donc, on ne pourra jamais prévoir les résultats, etc. On ne pourra jamais étudier ce système parce que le processus non sous contrôle. Donc, il n'est pas sous contrôle. Par contre, pour le premier ou bien le schéma en haut, donc le système il est sous contrôle, il est maîtrisé, il est stable, donc on pourra prévoir les résultats, donc on pourra analyser les résultats, etc. Donc voilà, c'est la définition de la stabilité. Donc voilà un exemple dans lequel on peut calculer CP et CPK. Donc CP à partir de formule, donc on trouve CP est égal à 1,33. En fait, voilà, la tolérance supérieure est égale à 5,20 et la tolérance inférieure est égale à 4,80. Donc, la différence divisée par 6 fois l'écart type. Donc, l'écart type est égal à 0,05. Donc, on trouve une valeur de CP est égale à 1,33 et CPK est égal à 1. Donc, voilà, c'est un procédé qui est apte, donc juste apte et qui est centré. Donc, voilà.
Maintenant, on va parler de la stratégie d'ajustement de l'aptitude du processus, c'est-à-dire dans le cas où il y a un CP ou bien un CM qui est inférieur à la valeur donc escomptée. Dans ce cas-là, on parle d'un procédé qui n'est pas apte ou bien inapte. Donc, il faut engager des actions correctives pour réduire la variabilité et recentrer la moyenne de la production. Donc, ce sont les rôles des agents ou bien des responsables, des managers, le rôle aussi de la conception, etc. Ou bien ou augmenter les tolérances. Dans ce cas-là, on va voir la possibilité d'augmenter les tolérances, mais de telle sorte à ne pas arriver aux tolérances supérieures et inférieures. Donc, il faut juste augmenter les tolérances, le produit, de telle sorte à où le produit reste acceptable donc pour les clients, pour la fonction de ce produit. Ou bien on peut trier. La production à 100%, donc c'est ça, comme nous avons vu, donc c'est très difficile. En plus, ce sont des actions que l'on peut faire après la détection du problème, donc c'est déjà trop tard. Donc voilà. Donc voilà un autre schéma qui décrit que dans le cas où nous avons mis des actions ou bien des actions sur les causes communes. Donc comme vous voyez dans le schéma du saut, donc au départ, il y a des limites de contrôle supérieures et inférieures qui sont très larges. Ensuite, après les actions, donc on arrive à minimiser le maximum possible l'écart type. Et si vous vous rappelez, donc nous avons vu ça dans la partie 1 de la formation, nous avons dit que notre objectif industriel, c'est d'avoir un écart type très petit pour que le système soit conforme et que les valeurs soient centrées au niveau de la moyenne. Donc voilà, donc l'action sur les causes communes améliore toujours la performance d'un procédé ou bien d'une machine. Donc l'amélioration de l'aptitude d'un procédé. Donc voilà, nous avons ici un exemple. Dans le premier schéma, nous avons trouvé des valeurs de CP qui est égal à 0,67 et CPK est égal à 0,60 ou bien 0,17. Donc le processus dans ce cas-là, il n'est pas apte. Donc avec un intervalle de tolérance 4,80 à 5,20. Dans le cas ou bien dans le deuxième schéma, donc nous avons mis des actions ou bien nous avons mis préparé ou bien essayé d'améliorer le système ou d'améliorer le procédé via des actions. Donc on augmente CPK ou bien on trouve une autre valeur de CP et CPK, mais le système il est juste, donc voilà, il est apte, mais la production est mal centrée. Donc comme vous voyez à partir du schéma, donc il est apte parce que il est entre dans la tolérance, pourtant il n'est pas centralisé. Donc on peut traduire ça par la valeur CPK qui est égale à juste 0,33. Et dans le troisième schéma, donc c'est un système qui est apte et centré. Donc voilà, nous avons une valeur du CPK qui est très supérieure, ou bien CP qui est égal à 1,33 et CPK aussi. On a augmenté CPK jusqu'à 1,20. Donc voilà, on trouve un procédé qui est maîtrisé, qui est apte à nous produire des produits conformes et en même temps qui est centré. Donc pour continuer, donc dans le cas où le système ou bien le procédé ou la machine il est apte, dans ce cas-là, on peut parler des cartes de contrôle. Donc juste pour faire un petit rappel, donc premièrement, on doit faire le test de normalité pour savoir l'absence ou bien l'existence des causes assignables. Dans le cas où les valeurs suivent la loi normale, on doit passer par la capacité de la machine de procéder pour savoir est-ce que la machine il est capable ou non, et est-ce que le procédé il est capable ou non. Dans le cas où la machine ou bien le procédé n'est pas capable, dans ce cas-là, on ne pourra pas travailler ou bien on ne pourra pas continuer notre MSP. Dans le cas où le procédé il est capable, on parle des cartes de contrôle. Donc c'est l'objectif de notre formation, c'est de mettre en place des cartes de contrôle. Donc dans cette partie, on va parler juste des définitions ou bien juste des types des cartes de contrôle. Et dans la troisième partie, dans la prochaine partie de la formation, on va voir comment calculer les limites de contrôle, comment
définir ou bien comment utiliser nos cartes de contrôle, comment interpréter les résultats du carte de contrôle, etc. Donc généralement, nous avons plusieurs types de cartes de contrôle. Donc le type le plus connu, le plus utilisé, donc ce sont des cartes moyennes étendues. Donc le suivi d'une caractéristique à partir de la moyenne des échantillons et l'étendue. Donc pour les étendues, donc comme j'ai dit, donc c'est la différence entre la valeur maxi d'un échantillon et la valeur minime de l'autre échantillon pour même prélèvement. Il y a aussi les cartes moyen mobile étendues. Donc voilà. Donc ils travaillent les valeurs individuelles X0 et l'étendue mobile. Donc au lieu de travailler avec l'étendue, on travaille avec l'étendue mobile. Nous avons aussi la carte de la médiane. Donc, il travaille avec la médiane, bien avec la valeur centrale au lieu de la moyenne. Et aussi, il y a les cartes pour courte série, donc qui fonctionnent comme la carte moyen étendue, mais a été adaptée pour permettre de suivre la production d'une multitude de produits fabriqués en petite quantité sur une même machine. Donc ce sont des cartes qui sont rarement utilisées. Donc ce qui nous intéresse dans la prochaine produit ou bien dans la prochaine formation, dans la suite de cette formation, c'est les cartes moyen étendues. Donc comme j'ai dit, donc ce sont les plus utilisées. Donc généralement ces cartes, donc ils se constituent de deux graphiques. Donc par exemple, si on prend la carte ou bien la carte de contrôle moyen étendu, donc il y a un graphe relatif ou bien une graphique relative à la moyenne et une graphique relative à l'étendue. Parmi aussi les autres caractéristiques, les échantillons doivent être avec une taille fixe, c'est-à-dire on ne pourra pas travailler avec deux prélèvements avec deux tailles différentes. Et aussi la fréquence ou bien l'échantillon se fait à des intervalles fixes, par exemple, soit lorsqu'on parle des échantillonnages ou bien de fréquence avec le temps. Donc on pourra par exemple prendre la production chaque 2 heures, on prend un prélèvement, ou bien chaque 4 heures, etc. Ou bien l'échantillonnage par quantité ou bien par lot, c'est-à-dire par exemple après 2000 pièces de production ou bien 1000 pièces de production, l'essentiel c'est d'avoir des intervalles fixes. Et enfin, donc les limites de contrôle sont calculées pour chaque graphique. Par exemple, lorsqu'on parle des limites de contrôle relatives à la moyenne, donc nous avons deux limites de contrôle. Donc la limite de contrôle supérieure de la moyenne, la limite de contrôle supérieure ou bien inférieure de la moyenne. Et la même chose pour l'étendue. Donc on va voir ça en détail dans la prochaine formation. Et voilà, donc on a terminé la formation, bien la deuxième partie de notre formation, qui a eu pour objectif de savoir comment définir ou bien comment déterminer ce que le procédé, est-ce que la machine, ils sont capables, est-ce qu'ils sont aptes à mettre en place la MSP ou non. Donc, dans la prochaine formation, nous allons voir ensemble comment calculer les limites de contrôle, ainsi comment interpréter les résultats et comment travailler ou bien intégrer les cartes de contrôle dans la production. Donc, voilà, et merci à tous. Et autrefois, je vous invite tous à s'abonner dans notre chaîne et d'activer l'alarme pour que vous puissiez voir les vidéos partagées. Et merci, au revoir.